Suis arrivée à Paris. Oui, à Paris. Au conservatoire de Villiers avec. Avec mon fils. Oui, c'est ça. Ah. Ah d'accord, mais je vous ai vu déjà dans son orchestre. Ah oui, oui. Et puis. Ah. Oui. Et puis... Donc voilà, je vous connais. Pourquoi les bandoneons? Pardon? Pourquoi vous avez décidé de jouer les bandoneons? En fait, j'avais joué de piano et puis j'aime beaucoup écouter Piazzolla, Astor Piazzolla. Donc, j'ai décidé de changer l'instrument bandoneon pour savoir plus. Parce qu'il n'y a pas de bon professeur en Corée. Oui. Il y a une ex-élève à moi qui je crois qu'elle habite en Corée. Oui. Ah oui, je la connais. Oui. Une ça. Bien. Ok, parfait. Allez-y. C'est très important d'établir un dialogue. Vous me posez des questions. Oui. Vous me direz des choses quand je vous pose des questions aussi, et n'hésitez pas à me poser des questions surtout, okay. Si c'est nécessaire. En fait, j'avais préparé pour une compétition en Allemagne orientale. C'est vous qui avez gagné les 2e prix? Oui, c'est ça. Vous voyez? C'est trop difficile. Vous les jouerez une fois. Tout, j'écoute et après on fait des commentaires. Ok, juste une fois. Oui, non, on va le faire à plusieurs reprises, mais on peut voir des détails s'il le faut. Ah, d'accord. Okay. Mais vous avez préparé Pedro y Pedro, oui. C'est ça. Oui. Ou il y a encore un autre thème? Ok. Il y a un autre morceau? Il y a Capriccio Ottonal. Capriccio Ottonal, d'accord. Ok, je vous écoute. Thank you.
De mon fils, il m'a parlé beaucoup de vous. Ah, c'est vrai? Vous travaillez avec lui? Vous savez, il me raconte des choses. Et je connaissais votre niveau pour ce qu'il m'a expliqué. Mais aujourd'hui, à partir de cette version-là, je confirme ce que j'avais imaginé, mais très surpris pour votre talent musical. C'est un peu loin d'y aller. Et vous savez, vous jouez un autre instrument? Piano? J'imagine. Sans savoir, j'imagine. Vous avez fait un répertoire classique, certainement. Ça se sent. Il y a un lien, surtout pour la période romantique, etc. C'est très lié. Vous savez, un phrasé très, 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 très riche. Vous savez, un toucher exceptionnel. Vous savez, un contrôle de la dynamique, parce que c'est un instrument particulier, on peut jouer comme ça et on peut jouer comme ça. Ça c'est... Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de professionnels, de grands bandoneonistes, mais ces paramètres-là, d'aller à chercher les extrêmes. Si on cherche les extrêmes, c'est un mode d'expression. C'est pour raconter quelque chose. C'est pour dire quelque chose qui est dans votre nature, les femmes, les musiciennes. Ça, c'est vous. C'est vous. À part entière. Cette version, parce que c'est quelque chose que j'ai joué, que j'ai enregistré, j'aurais aimé le faire comme vous l'avez de le faire. D'accord. Oui, j'ai beaucoup écouté votre... Plus fort. J'ai beaucoup écouté votre album, Pedro y Pedro. Merci beaucoup. Mais ça va. Et... Bravo. Merci. Bravo. Si je pouvais, je vous prends dans un avion et je vous amène en Argentine. Comme ça, j'ai fait une réunion avec mes amis, jeunes de mon âge, intermédiaire, etc. Et je le dirai, écoutez, c'est intéressant ça, parce que la famille des bandoneonistes n'a pas de nationalité précise. Il y a des influences culturelles, certainement. Mais plus que jamais, aujourd'hui, on se trouve, par exemple, avec vous, qui venez d'un pays si éloigné culturellement d'un pays comme l'Argentine, même s'il y a de plus en plus de Coréens chez nous. Et c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est-à-dire que dans des mains comme vous, comme les Japonais, comme les Taïwanais, comme quelques Chinois, comme les Européens,
ça montre que le bandoneon a aujourd'hui un passeport universel. Comme ce que nous utilisons aujourd'hui, les passes. Comment ça s'appelle? Le Green Pass. Hein? Pour le Covid. Oui. Vous entendez? Plus fort. Pour le Covid, vous entendez? Le Green oui. Pass, le certificat à faire. Oui, c'est le certificat. Voilà. Là, si je peux faire un parallélisme, voilà, la démonstration est. Évidemment, ça ne vient pas de rien. Vous êtes tombé sur des mains. Par hasard, c'est mon fils. Bon, je l'ai appris à mon fils. Et lui, après, il a fait ses propres réflexions sur l'instrument. Donc, je me sens communiquer par l'intermédiaire de mon fils avec vous. Eh oui. Oui, il m'a beaucoup aidé. Il m'a toujours beaucoup aidé comment faire pour s'améliorer. Voilà. Très bon, très bon. Il faut faire un effort avec moi parce que je n'entends pas tellement bien. Okay. Donc je vous en prie, parlez beaucoup plus fort, oui. S'il vous plaît. Vraiment, il est bon professeur. J'ai strictement rien à dire sur ce que je viens d'écouter. C'est une version de plus, formidable. Formidable. Alors, j'arrête là de parler des choses complètement positives et logiques. Maintenant, je vous poserai des questions. Et vous avez fait une reprise. Okay. Et vous avez joué la deuxième fois à peu près. À peu près. À peu près. La même chose. Oui, c'est le problème. Le texte qui est écrit. Avec des nuances, des fortes, des crescendo, des respirations. Bien. Vous pouvez aller plus loin. D'accord. Et en fait, quand je vous écoutais de la revue, quand j'ai écouté votre revue, plus fort. Quand elle a écouté votre album, quand elle a ouïdo son album, merci. Vous jouez beaucoup de l'improvisation. Beaucoup de l'improvisation, mais pour moi, je ne sais pas comment faire. Par exemple, deuxième fois, toujours la même chose. Il faut éviter. Oui, mais oubliez cet enregistrement parce que je n'aime pas. Oui. Mais bon, je veux vous dire. Par exemple. Vous avez exposé la première partie, après vous reprenez.
voyez ? Oui. Non, non, non. Vous savez, c'est une particularité de cette musique. De varier, c'est le mot, des textes, surtout dans une deuxième exposition, comme une variation, comme dans l'univers, à votre choix. D'accord. À votre choix. Cherchez, écrivez. Ah, tout d'abord, écrire quelque chose. Vous faites comme vous voulez. D'abord, vous débarquez sur le thème et je fais quoi là ? J'ai décidé de ne pas faire je prends le texte. Je varie la main droite. J'ai éliminé les notes pour laisser plus d'air. Tout est possible. Tout. En gardant le cœur de la ligne mélodique et ornamentée à piacere. Vous pouvez aller hyper loin. D'accord? C'est l'unique chose que je vous dis. Et vous tapez, vous dites, ah, ça me plaît ce que je viens de faire. Mais je vais l'écrire. Vous l'écrivez. Et vous faites une deuxième, et vous l'écrivez. Et vous faites une troisième, et vous l'écrivez. Et après vous la regardez. Là, c'est très aéré. Là, j'ai pris un chemin dans lequel je dois récupérer le texte tôt ou tard. Vous posez des questions. Vous laissez reposer, une semaine plus tard vous reprenez et vous verrez les surprises. Parce que comme vous l'avez écrit, sinon on oublie quoi. C'est pour ça que la valeur de l'écriture. Et après on dit on improvise. Ça c'est ce que je viens de faire, c'est de la pure. En pro, sur le texte. Oui, c'est ça. Sur le texte. Il y a des gens qui improvisent et qui disent « Je monte sur scène, je ne sais pas qu'est-ce que je ferai. » C'est faux. C'est terriblement faux. Même dans des musiques très libres comme le jazz, par exemple. J'ai parlé avec des gens, hein, qui disent « L'impro, oh, je monte sur scène et je ne sais pas. » Sauf le free, ça c'est vrai, là, tout est possible, avec plus, ou peu, ou beaucoup de talent, il y a des choses. Mais sur des textes, sur un standard de jazz, sur un tango comme celui-là, en tenant en compte certaines règles, l'improvisation, c'est un...